Jesus. Coucou, coucou, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Allô. J'espère que vous allez bien. Alors là, on promène un petit peu sur le bord du fleuve. On est à Sorel, voilà. Voilà le paysage. Avec là-bas, de l'autre côté, les îles de Berthier, Berthierville. De l'autre côté du fleuve. Alors c'est ça, le fleuve, l'hiver, quand il n'y a pas de bateau. J'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien, que tout se passe bien malgré le... Toujours pareil, le confinement, tout ça là, c'est pas évident, c'est sûr, c'est vraiment pas évident. Alors aujourd'hui, on est... quel jour on est? Mardi. Oui, c'est ça, mardi. On est perdu, on ne sait plus quel jour on est. Et il fait pas tellement chaud, 6 degrés, mais avec le soleil, ça va. Alors j'ai apporté ma petite feuille avec les questions du jour. Ou du moins par rapport à la vidéo d'hier. Alors il y en a plusieurs qui m'ont demandé de mettre la recette du pain. Ben, je la mettrai. En fait, c'est une recette assez simple, très très basique, puisque j'ai juste des, on va dire, les ingrédients inscrits sur la feuille de papier. Puis le reste, il n'y a rien d'écrit. Donc il va falloir que un petit peu que je la rédige pour vous la mettre. Mais en tout cas, le pain était vraiment bon. Je voudrais remercier Jean qui a mis Jean Santerre qui nous a mis un très long commentaire. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à aller voir le commentaire de Jean sur la vidéo d'hier, qui donne aussi beaucoup d'indications par rapport à la peinture. On va dire que j'ai répondu à une question fréquente, c'est quand est-ce qu'on... Combien de temps ça prend pour être bon en peinture? Et donc j'avais répondu et il a, on va dire, confirmé ce que j'ai dit avec de nouvelles informations aussi très intéressantes qu'il a mis là-dessus. Alors je vous invite à aller voir ça, le commentaire de Jean qui est assez long. Et merci beaucoup Jean, c'est vraiment très très bien ce que vous avez écrit. Je trouve que ça nous rejoint très très bien. Alors... Qu'est-ce que c'est une question, la Joconde? Est-ce que la Joconde, ça sera un cours sur la formation? Oui, la Joconde va être dans la formation en ligne. Donc là, normalement, demain, après-demain, mercredi, jeudi ou vendredi, là, je ne sais pas, je vais commencer à travailler dessus pour la prochaine étape, la prochaine couche. Mais ça va être... on va commencer à la voir sur le site de la formation vers la fin du mois d'avril, je pense, vers le 25 avril à peu près. Alors la glycérine, on a parlé beaucoup de la glycérine hier par rapport à la peinture acrylique. La glycérine est une huile visqueuse, on m'a dit, végétale. Et oui, ça se met avec l'acrylique, on travaille, ça ralentit le séchage de l'acrylique et ça va bien avec. Alors vous voyez, j'ai appris beaucoup de choses, merci beaucoup. Alors je l'essayerai, j'essayerai ça. Et là d'un coup je me suis dit, mais alors la peinture Golden Open, qui je trouve est un peu plus visqueuse que la Golden habituelle et qui a un temps de séchage plus large. Et là, je me suis dit, peut-être que c'est ça que le fabricant met dans la peinture. C'est peut-être justement de la glycérine, hein, pourquoi pas. On verra, je ne sais pas. En tout cas, j'essayerai ça. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir toutes ces informations-là. Une question, c'est si j'utilise le cadmium imitation, l'imitation de cadmium ou autre couleur, est-ce qu'elles seront moins vives? Alors voilà. Si vous utilisez un tube de peinture qui a marqué imitation de cadmium, c'est que certainement vous êtes dans une gamme de peinture, on va dire, un petit peu inférieure à l'extra fine. Voilà. Si vous utilisez de la peinture du vrai cadmium, le vrai cadmium, généralement, on va le trouver que dans les peintures extra fines. Alors forcément, parce qu'elles sont extra fines, elles sont plus fortes en coloration et donc plus vives. Oui, c'est exact. Maintenant, si vous prenez, je ne sais pas si dans, admettons, dans la peinture Rembrandt, est-ce qu'ils font de l'imitation de cadmium? Je ne me souviens pas. Admettons, si vous prenez une imitation de cadmium dans de la Rembrandt, ça sera quand même une plus belle peinture, plus vive, que si vous prenez une imitation de cadmium dans de la Winton ou de la PBO. Voilà. Donc moi, je pense que la force et la vivacité de la couleur viennent plus
de la gamme de peinture que du fait que c'est de l'imitation ou du vrai cadmium. Les autres questions, on me parle encore de la glycérine. Alors oui, il y a Tagazu qui nous donne vraiment beaucoup d'indications sur la glycérine aussi. C'est le fameux glycérol du vin qui dit tout ça. Alors je vous invite à aller voir sur la description de la vidéo d'hier si vous voulez en savoir plus sur la glycérine aussi. Il nous donne vraiment de très très bonnes indications, de bonnes informations sur la glycérine, son origine, sa composition et dans quoi elle rentre dans la peinture acrylique. Alors hop, une petite vue sur le fleuve, on a avancé, vous voyez. Oh, on a changé d'endroit. Oui, j'irai pas me baigner là. L'eau a l'air un peu froide. Regardez ça. Oh, un beau paysage en perspective, un bel exercice de perspective là. Alors, on vous fait prendre l'air un petit peu. C'est pas tellement chaud. Hey. Non, c'est frais. C'est frais, hein. Oui, il y a du vent en fait, c'est ça. C'est lui qui est avec la maison. C'est qui dit ça? Alors là, je suis embêté, j'ai la graffe en plein dessus. C'est Elisabeth qui dit: je n'arrive pas à ouvrir la vidéo de la nature morte à la chandelle que j'ai reçue hier lundi dans le nouvel article. Bon, alors vous avez reçu l'article du blog, la newsletter finalement qui vous amène sur le blog. Et le cours annoncé, c'est le cours de la semaine pour les abonnés de la formation en ligne. La peinture, c'est facile. Alors je ne sais pas quel. Est-ce que vous êtes abonné à un forfait basique, premium ou VIP? Ou bien est-ce que vous avez plutôt accès à un cours de couleur ou de dessin seulement? Donc cette vidéo-là, ce cours-là, il est accessible uniquement pour les membres de la formation en ligne. Parce que tout ça, c'est automatique. Alors c'est des accès qui se créent automatiquement. Alors ça dépend de votre cas à vous. Voilà, je ne sais pas trop. Mais le mieux, ça serait de m'envoyer un message à contact. milonaracademy.com pour que je puisse aller voir votre situation et aller voir si c'est normal ou non que vous ayez accès ou non à ce cours-là. J'ai quelque chose à rajouter parce que j'ai lu beaucoup là. Ah oui, il est noté. C'est rare que c'est moi qui parle, c'est tout le temps lui qui parle. Oui, c'est vrai, c'est toujours moi. Il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir, envoyer leur vidéo, pas leur vidéo, qu'est-ce que vous faites. Qui voudraient partager leurs œuvres. Oui, c'est ça. Oui. Puis, ça serait le fun qu'on puisse faire à un moment donné une vidéo là-dessus, qu'on puisse, que René puisse regarder qu'est-ce que vous avez fait. Oui. Et puis qu'il puisse, pas vous critiquer, là, mais quand même analyser. Oui, je vais vous critiquer. Je me permets. Analyser la toile que vous avez faite. Ça serait gentil de sa part. Hein? Oui, ben c'est ça. Alors, je vais vous donner une adresse email. Je mettrai ça dans la description. Peut-être pas la vidéo d'aujourd'hui, demain c'est mercredi, alors vous allez avoir la vidéo de la semaine habituelle, mais admettons, je vais mettre un lien pour une adresse email spécifique dans laquelle vous pourrez envoyer des photos de vos tableaux, puis je vais piocher là-dedans, et pourquoi pas, oui c'est ça, faire une critique constructive, je ne ferai pas une correction, mais je donnerai mon point de vue, puis ça peut... C'est comme ça qu'on apprend, hein. Souvent c'est ça aide beaucoup pour apprendre. Puis en passant, pour ceux qui me disent, je suis gentille de prêter, de vous passer René dans ces moments difficiles, mais je suis ravie. Ah oui. Parce que c'est agréable d'avoir des bons moments aussi. Hein. Elle me partage. Ah oui, mais pas à tout le monde. Je regarde la prochaine question qu'on avait, c'est ça. C'était quoi un peu? Amoureux, passionné du paysage. C'était Jean-Claude. Oui. Ah oui, Jean-Claude. Sur comment peindre les arbres. Est-ce que j'ai fait une vidéo comment peindre les arbres, les pins dotés d'aiguilles et tout ça? Non, je n'ai pas fait ça encore. On va retourner un petit peu. Je n'ai pas fait ce genre de vidéo-là. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle sorte de... Ah, on est mieux dans ce sens-là? Là, on a le soleil en face, ça va mieux. Écoutez, il existe tellement de choses possibles à peindre que j'en aurais jamais assez de toute façon de toute une vie pour tout faire, pour tout peindre. Alors, je le prends en note par contre, tiens, c'est une bonne idée, lorsque je serai devant mes pinceaux, pourquoi pas, de commencer à faire des choses comme ça aussi. Mais
prochainement, donc je vais commencer certainement, peut-être cette semaine, jeudi, vendredi, je ne sais pas, à faire la fameuse nature morte dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, avec une technique à l'ancienne pour faire quelque chose de réaliste, hein, et sur, bien sûr, sur plusieurs épisodes, que je ne vous garde pas 3 heures par jour sur la vidéo. Vous pourriez vous endormir dessus. Voilà, donc on va faire ça. Alors on va regarder ça pour que vous nous envoyiez les photos et aussi pour faire la nature morte. Ben voilà, on fait profiter un petit peu du paysage. Ça, c'est un parc ici au bord de l'eau à Sorel, une sculpture. Et j'avais une question aussi qui a été posée très souvent par, par des élèves à l'atelier. Hier, j'ai répondu à la question combien de temps ça prend pour devenir bon en peinture. Aujourd'hui, la question, ça va être plutôt comment savoir quand une peinture est terminée. D'ailleurs, on m'a posé cette question aussi dans la vidéo hier. Comment savoir quand est-ce qu'on doit arrêter de peindre sur un tableau, quand est-ce qu'on décide qu'il est terminé. Alors, cette question est souvent posée. Mm-hmm. Et la réponse n'est comme celle d'hier aussi. Combien de temps ça prend pour devenir bon en peinture, il n'y a pas de réponse unique et exacte. Ça va dépendre de chaque cas. Chaque cas va être différent. Mais ce qu'il faut vraiment tenir compte, c'est que il ne faut pas surpeindre, il ne faut pas dépasser le moment où le tableau il était mieux avant. Et ça arrive souvent parce qu'on pense toujours qu'on va l'améliorer, mais à un moment donné, ben, on ne peut plus, et puis ce qu'on fait, c'est dommage, mais ça va défaire un petit peu la qualité de ce qui était fait avant, parce que si vous peignez, si vous réussissez à un moment donné à peindre avec une certaine spontanéité, avec, on va dire, en vous limitant dans les détails, des fois en vous limitant dans certaines choses, et puis après, vous risquez de détruire cette spontanéité-là. Donc, voilà. Pour dire qu'un tableau est terminé, moi je dirais que, au moment donné, si vous vous posez la question, c'est que déjà il est peut-être terminé. Mais pour le savoir, le mieux c'est de poser le pinceau, d'arrêter de peindre, s'en aller de la pièce où on peint, vraiment s'en détacher pour un bon petit moment, une heure, deux heures, ou jusqu'au lendemain. Et là, après ça, vous revenez devant votre tableau, vous le regardez de loin, et vous essayez de le voir d'abord avec l'œil de la personne qui ne l'a pas peinte, un peu comme si vous étiez le spectateur, et vous cherchez là-dedans qu'est-ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qui pourrait être arrangé, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, ou au contraire aussi, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, parce que c'est déjà bien, que vous pourriez le rendre encore mieux. Mais posez-vous des bonnes questions, essayez de... Il faudrait prendre une feuille de papier, je pense que j'en ai déjà parlé, ou faire comme une petite checklist, à savoir si vous avez bien appliqué tout ce qu'il faut dans un tableau, c'est-à-dire si vous avez donné la profondeur, si vous avez les bons contrastes, si vous avez les bons volumes, si le sujet il ressort bien, si, tu sais, toutes ces choses-là. C'est tout. Il ne faut pas chercher à tout le temps, forcément, à définir les détails de façon trop réaliste. Voilà. Et le perfectionnisme, souvent, c'est ce qui amène les gens à faire des erreurs dans leur tableau. Mm-hmm. À vouloir trop bien faire, des fois, ben, malheureusement, on ne fait pas de ça tellement bien. Donc voilà, la réponse à la question, ben, c'est qu'il n'y a pas un moment exact pour dire que tous les tableaux sont terminés. Là, c'est toujours vraiment... chaque cas est spécial et différent. C'est une... la meilleure chose à faire, c'est ça, c'est une analyse. Il y a des choses dans l'eau, hein. Voilà, donc j'espère que ça répond un petit peu à la question à bien du monde. Alors là, je pense aussi à Jean Santerre, qui peut-être pourrait ajouter un commentaire et apporter un petit peu son grain de sel et dire ce qu'il en pense aussi à ce niveau-là, qui est quand même une... Comme je disais, on va dire, c'est une question universelle au niveau des apprentis peintres, les personnes qui sont un petit peu plus débutantes. Alors on entend les mouettes.
Le goût est là. Il y en a beaucoup. Il y a un petit là-bas, oui. C'est un de ménage. Ah, j'entends des oies. Il y en a qui disaient que... On entend des oies, mais on ne les voit pas. Il y en a qui disaient qu'ils aimaient entendre mon accent. Oui, hein, c'est vrai. Hein? Mais l'accent de René aussi, il s'en vient comme Québécois. Ben oui. Même sa mère, parfois, elle ne comprend pas. Ah oui, des fois, oui, c'est ça. C'est pas facile, l'accent, hein? L'accent québécois. Oh là là, pour un Français, là, c'est... Une des premières fois où Linda est venue dans ma famille en France, là. Oh mon Dieu. On était... C'était une... Il y avait... Pour me présenter. Oui, c'est ça. Il y avait quoi? On était peut-être 8 personnes, admettons. Nous étions nous deux, puis 6 personnes de la famille. Oui. Tout le monde était à la table, autour de la table. Et puis Linda parlait, elle parlait. Puis je voyais tout le monde qui était arrêté, là, qui immobile, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte. Et j'ai dit à Linda, arrête de parler, ils t'ont pas compris. Et là, il a fallu que je me mette à tout traduire. Mais maintenant, ils me comprennent. Oui, c'est ça. C'est bien. Alors là, il y a beaucoup de bois qui a été transporté par l'eau. Ah ouais, hein? Tiens. C'est tout du bois, tout ça, là. Le courant l'a amené là. Bien sûr, tout ça, ça va être nettoyé avant que les... Ils vont remettre les bateaux ici. Ici, ça va être plein de bateaux, là, des beaux bateaux. Je ne pas là-dedans. C'est la fonte des neiges qui a fait monter le niveau du fleuve et qui a amené tout ça, là, la boue, les herbes, les branches. C'est normal, là. C'est vivant, c'est en mouvement toute l'année. Ah. Et oui. Voilà, donc j'espère que... On vous fait passer un bon petit moment au bord de l'eau, surtout si vous êtes renfermé chez vous, ça vous change peut-être un petit peu de... Là, ça sent plus le pain, ça sent l'air frais. Ouais. Ça vous change de vos émissions de télévision habituelles. Ouais. Nous, on va retourner à la maison. Alors, beaucoup de travail. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Oh mon Dieu, avec le confinement, le nombre de messages que je reçois... sur ma boîte de courriel le matin, ça, il a triplé. Les demandes de correction en ligne dans la formation a triplé aussi. Le travail est devenu extrêmement gros, énorme. Ça me prend... Peut-être ce matin, ça m'a pris 3 heures à répondre à tous les messages. C'est énormément de temps et de travail. Donc peut-être qu'il va falloir que je ne réponde plus à tous les messages. Sachez qu'on les lit tous, ça c'est sûr, on les lit. Mais après, il faut répondre. Et puis, vous savez, quand on veut taper vite au clavier, ben, on fait des fautes. Hein. Et puis, plus on a un fait, plus on veut aller vite, on reprend. Ou c'est des corrections tout le temps. C'est moi qui réponds à tout sur YouTube. Je regarde tout. Moi, je les vois. Elle écrit. Moi, j'écris. Mais je marque des fois pour être sûre. Parenthèse, Linda. Oui. Mais d'habitude, c'est tout moi qui répond pour René. Puis, s'il y a des choses vraiment qu'elle ne peut pas répondre, alors là, elle me les garde pour moi aussi. Puis là, maintenant, le fait de faire des réponses comme ça en vidéo, ben, ça me fait beaucoup gagner de temps parce que tout ce que je viens de dire là, s'il fallait que je le tape. Moi, je ne suis pas dactylo, hein, donc j'y vais avec 2 doigts, hein, 2 index sur le clavier. Ah, mais tu tapes assez vite. Oh, à un moment donné, on prend de la vitesse, mais quand on prend de la vitesse, on fait plein de fautes, plein d'erreurs. Alors, je m'excuse aussi à des erreurs dans mes messages, des fautes, mais ce sont des fautes de frappe. Oui. Mais on fait comme on peut avec ce qu'on a comme capacité. Voilà. Donc, je pense que la vidéo pour aujourd'hui va s'arrêter là. Mm-hmm. Sachez que toujours, on pense à vous, on regarde les informations. On sait qu'il y a de fortes chances que ça dure encore un petit moment. Peut-être pas les confinements, mais on va dire les mesures spéciales de sécurité. Tout ça, là, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre nos voyages, revenir en France. Là, on se pose vraiment des questions. Nos stages de cet été ont été tous annulés. Nous avons annulé nos hébergements, les avions, les locations d'auto. Tout a été annulé parce qu'on devait aller en France pendant 3 mois, du 12 juin jusqu'au 10 septembre, en passant par la Corse, le sud de la France et la Belgique. Et bon, c'est juste remis à plus tard, quand on pourra. Mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, l'essentiel, c'est d'être en forme, d'avoir la santé et de passer au travers de tout ça. Et c'est ce qu'on vous souhaite à vous aussi, de garder la forme, la santé.
et de passer au travers de tout ça sans trop de, on va dire, de mauvaises surprises. Ouais. Alors, merci beaucoup. Et alors demain, ça va être la vidéo du mercredi, une vidéo qui a été tournée pendant le week-end de la Saint-Valentin. Donc ça va être la dernière vidéo qui a été tournée d'avance quand il faisait bien froid. Maintenant, les prochaines, ça va être des vidéos tournées plus récemment. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci. À demain. Bye bye. Bye bye.